Tom, t'as encore passé la nuit dans ton bureau? Non, j'ai fini tard. Ça commence à devenir une habitude? Ben, comme avant dans notre appart, il n'y avait pas de bureau. Je profite à fond de celui-là. Si on m'avait dit que dans cette maison je passerais la plupart de mes nuits seule, j'aurais sans doute choisi de rester dans l'appartement. Je suis bien obligé de travailler. Si tu veux qu'on fonde une famille, tous les deux, j'ai pas le choix. Papa doit se démener pour les siens. Tu te fais du souci? Non, pas du tout. Je suis inquiète. Vraiment inquiète. J'ai peur que l'agence nous dise que l'adoption ne peut pas se faire. Écoute, t'as aucune raison de douter. N'importe quel enfant rêverait de t'avoir comme mère. Ça va marcher. Tu veux me faire plaisir? Bien sûr. Essaie d'éviter les petites phrases comme « papa doit se démener pour les siens », d'accord? Surtout si on est avec des amis. Rien de sûr, mais papa va essayer. Bon, allez, je vais nous faire du café, prendre une douche et faire ma marche sportive. Allez. C'est parti. Tom? T'es une prof mariée, c'est comme si t'étais hors concours pour le restant de tes jours. Et moi qui suis dans la course toute l'année, je peux te dire que quand un mec dort dans son bureau, au lieu de se blottir contre sa sublime épouse, c'est qu'elle est en train de le perdre. Encore une de tes brillantes théories? C'est la pure vérité, ma chérie. Quand ils savent en sécurité, ils deviennent des ours, dorment dans leur bureau, ou pire encore. Tom ne ferait jamais ça. Et Jeff l'aurait pas fait non plus. Mais quand ils sentent en danger, qu'il y a un peu de concurrence, là ils se réveillent dans la seconde. Donc pour résumer, le mieux quand tu es une femme mariée, c'est que ton mari, la personne que tu as choisie pour la vie, doute en permanence de ta fidélité. Gagné. T'es dingue, Ginny. Je veux plus me faire avoir, c'est aussi simple que ça. Et tu devrais faire gaffe. Je suis tellement contente d'avoir emménagé si près de chez toi. C'est super, hein. C'est clair. Les études à la fac nous ont réunis. Tom t'a éloigné de moi un temps, mais son travail nous a permis de nous rapprocher à nouveau. Ça peut pas être le hasard. Attends, tu stresses à mort à propos de l'adoption. Tu dors seule dans ton lit pendant que ton mari... bosse. Tu vas faire un ulcère si tu te détends pas. Il est évident que notre petite marche sportive n'a aucun effet sur toi. Arrête, j'ai dit non. Quoi? Je t'ai dit que j'aimais pas le yoga. Pour essayer! Juste un cours. Et si tu détestes ça, tu pourras toujours zioter Dominique et ses belles tablettes de chocolat comme j'en ai vu que dans mes rêves les plus osés. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu as besoin de trouver ton équilibre, de stabilité et de bien-être. Pourquoi tu refuses d'aller là où on travaille sur les trois? Ok, je vais y réfléchir. C'est oui alors? J'ai dit que j'allais y réfléchir. C'est trop tard, non, mais t'es maintenant. Une vraie plaie, avance. J'ai le regret de vous annoncer que votre dossier n'a pas été retenu pour l'adoption de Sophie. Ça va? Non. S'ils disent qu'on ne correspond pas, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. J'arrive pas à comprendre. Je suis sûr que c'est pas de notre côté qu'il y a un souci. Comment tu peux en être certain? À nous, c'est quoi? C'est pas l'enfant, a priori, qui est responsable. Ce que je veux dire, c'est que... on ne maîtrise pas toutes les données.
Comment tu peux le prendre avec autant de détachement? J'avais envie que ça marche. J'en avais envie autant que toi. Ah oui, alors pourquoi t'en parles déjà au passé dans ce cas? J'essaie simplement d'être lucide. Je me dis qu'on devrait peut-être s'accorder du temps, faire une petite pause avant de reprendre à nouveau les démarches. Je crois que ce serait une bonne chose pour toi autant que pour moi. Je vais me coucher. C'est quoi cette tenue? C'est pour mon cours de yoga. Je me suis inscrite hier soir. Tu vas suivre des cours de yoga? Oui. Ça va m'aider à décompresser. Tout le monde n'a pas la faculté d'évacuer ses émotions en faisant des petites croix dans des cases. C'est pas ce que je fais. Désolée, mais il faut croire que toi et moi, on n'a pas la même façon de gérer ce qu'on ressent. C'est vrai que t'as toujours éprouvé le besoin de gérer ce que tu ressens, donc ça se tient. Ok, bonne journée. Bonne journée. On se voit ce soir quand je rentre. J'en reviens pas que ce soit la toute première fois que tu fais du yoga. J'avais fait un cours ou deux quand j'étais à la fac. C'est quelque chose qui me parle pas. C'est peut-être le côté spirituel. Quoi? Tu changeras d'avis avec Dominique. Avec lui, même la physique nucléaire, ça me parlerait. En venant ici, alors que je marchais dans la rue, tout à coup j'ai remarqué une jeune pousse toute verte qui était parvenue à grandir au milieu du béton. Je ne savais pas si ce serait une fleur plus tard, ou bien un arbre, ou juste du chien-dent. Mais je me suis ému de son obstination. On est tous entravés, comme cette jeune pousse. Et j'admire sa force et son courage. Nous aussi, on doit se dépasser, afin de se réaliser pleinement. Pour mes nouveaux élèves, aujourd'hui, vous allez faire le premier pas vers vous-même, vers la personne que vous devez être. Si j'ai remarqué cette petite pousse, c'est parce qu'une femme devant moi a fait un pas de côté pour éviter de l'écraser. Levez-vous, s'il vous plaît. On va s'échauffer. Profonde inspiration, vers le ciel. On expire en s'inclinant en avant jusqu'en bas, les genoux légèrement pliés. On relâche les muscles et on les laisse s'étirer. Magnifique. C'est très bien. Et donc cette femme qui marchait était comme on en voit partout. Un café dans une main, le portable dans l'autre. Main sur les genoux, on remonte dos droit en inspirant. On allonge sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Cette pousse était toute petite. Elle était insignifiante, elle était à un endroit plutôt inapproprié, elle n'avait pas à se trouver là. Mais elle était fière de ce qu'elle était, expirée et relâchée, la nuque souple, tête en bas. Ce ne sera peut-être que du chien-dent, mais cette femme a fait un pas de côté. Le monde veut vous faire croire que vous êtes comme cette pousse, petite, insignifiante, au mauvais endroit. Remontez avec le dos bien droit. Profonde inspiration. On expire les mains en prière. Superbe. Mais si vous gardez la tête haute, si vous êtes fier de ce que vous êtes, quoi qu'en pensent les autres, le monde posera un vrai regard sur vous. Il y sera obligé. Commençons. Ah.
appelle le guerrier 2. Cette posture est douloureuse. Je le sais bien. C'est fait pour être douloureux. Les jambes tremblent, ça brûle jusque dans les doigts. Je sais bien. Pour tenir dans cette posture, le secret c'est de se grandir. Ayez une attitude fière. Je sais que ça fait mal, c'est normal. Acceptez la souffrance. Apprivoisez l'inconfort. Un peu trop vers le ciel. C'est ça, être un véritable guerrier. On garde la tête haute. Même si on souffre, en particulier si on souffre, même si c'est intenable. On garde la tête haute. Comme cette petite pousse. Respirez. Avec le pouce levé, oui. Tu me connais, je suis pas du genre à dire, alors j'avais pas raison. Oh. Bon, ok, c'est tout à fait mon genre, alors j'avais pas raison. J'avoue, c'était vraiment génial. Il est fort, ce prof, hein? Mm. Ouais. Ce mec... Comment tu te sens? Je me sens plus grande. Ouais. Mm-hmm. C'est cool. Et on sent que t'es super détendue. Merci, monsieur le professeur. Oh. Merci, Dominique. D'accord, et donc, pourquoi tu sors pas avec lui? Non. Il est difficile à cerner. Il a emménagé ici il y a, je dirais, moins d'un an, mais à part ça, sa vie est un vrai mystère. Je me contente d'en profiter avec les yeux. Je suis désolée pour le bébé. Il faut un peu de temps. T'es une perle. Bon, allez. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Fini la rigolade. T'es une pousse, ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. La réunion s'est éternisée. Et en revenant du cabinet, j'ai dû faire une audioconférence dans la voiture. Je vois. Bon, excuse-moi, j'aurais dû te prévenir. Oui. Comment c'était ton yoga? Ce cours de yoga m'a fait énormément de bien. Donc c'était utile? Disons que ça m'a aidé à me vider la tête et à oublier l'adoption un instant, donc oui, on peut dire que c'était utile. Super. Je suis vraiment content pour toi. Je veux réessayer, Tom. Ok, mais quoi qu'il en soit, c'est à l'agence de nous recontacter. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je ne voudrais pas qu'on manque l'adoption d'un bébé qui pourrait être heureux avec nous. Bien sûr. Ce n'est pas ce que je veux moi non plus, mais il y a toute une procédure. Oui, mais il y a des moyens de la faire avancer plus vite, n'est-ce pas? On peut faire appuyer notre demande en manœuvrant comme il faut. C'est en partie ce que tu fais dans ton boulot, non? D'une certaine façon. J'ai déjà rédigé 2 lettres pour convaincre les membres du conseil. Je devrais avoir un rendez-vous téléphonique qui nous fera peut-être remonter dans la liste. Je vais voir ce que je peux faire. Tu penses à ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois comprendre? T'es sûr de vouloir un bébé? Je dis simplement tout haut ce qu'on pense tout bas l'un comme l'autre ces temps-ci. Tu crois sincèrement que j'ai pas envie qu'on ait un bébé? C'est vraiment ce que tu penses? Alors aide-moi. J'ai besoin de toi. Merci pour le dîner.
faut que je termine un truc avant demain. Je vais travailler. Je dois garder la tête haute. Excusez-moi. Il n'y a pas de cours de yoga ce matin? C'est à 11h le jeudi, c'est pour ça. Vous êtes juste un peu en avance. Oh, très bien, j'y vais alors. Je vous laisse tranquille et je reviens plus tard. Non, non, je vous en prie, venez, approchez. Le cours d'hier, c'était génial. Si ça avait été vraiment génial, vous auriez tellement mal partout que vous ne seriez pas là ce matin. Je plaisantais. Je vous charrie. Évidemment que je plaisante, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, Justine. Vous vous rappelez mon nom? C'est normal, vous êtes une de mes élèves. Waouh, moi il me faut au moins 2 semaines pour intégrer les noms de mes élèves. Ah, vous êtes prof, vous aussi? Il n'y a pas de hasard. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Ce n'est pas juste un loisir pour vous. Vous êtes dans une quête plus profonde. Un poids pèse sur vos épaules et vous souhaitez vous en libérer. Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez vu juste. C'est ce que j'ai ressenti. Quand vous serez prête, venez pour un accompagnement personnel. Un accompagnement personnel, c'est du coaching ? Les coachs, c'est pour les femmes au foyer malheureuses qui ont besoin d'autre chose. Je vous parle de trouver votre voie. Quand vous serez prête. Salut, Saboum Sensei. Bonsoir. Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Je me sentais mal par rapport à hier soir et je tenais à rentrer tôt aujourd'hui pour me faire pardonner. Pardonne-moi. Le bouquet est superbe. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, ces cours de yoga, tu deviens une adepte à ce que je vois. Oui. Pourquoi pas? C'est chouette. Je suis content que tu aies trouvé une activité qui te permette d'occuper ton temps libre de façon agréable. Merci. Il y avait aussi Ginny à ton cours? Pourquoi? Simple curiosité. D'accord, eh bien, oui, elle y était. Ok. Je vais aller me changer. Vas-y.
Et encore une fois, pardonne-moi. Tom ? Oui. Non, oublie. Non, vas-y. Qu'est-ce que t'allais me dire ? C'est pas grave. C'est la vie que t'avais imaginée ? Parce que toi, c'est pas ce que t'avais imaginé. Je me dis qu'on est encore jeunes. Qu'on est tout l'un pour l'autre depuis toujours. Je sais plus ce que je dois penser, là. Depuis ta promotion, tu es distant. Parce que je travaille. Parce que j'arrête pas de bosser. Je sais. J'investis toute mon énergie dans ce travail. Oui, je me rends compte, je suis au courant. Le truc, c'est que moi, j'investis toute mon énergie dans notre couple et là, j'ai besoin de toi. Il faut que tu te battes avec moi. Ok. Bah, dans ce cas, on sera le couple de sans-abri le plus heureux du monde. Je veux pas être une sans-abri. C'est juste que... on veut fonder une famille depuis qu'on se connaît. Oui, je sais. Et si on veut que ça se fasse, il faut qu'on le veuille vraiment, tous les deux. Parce que moi, je le veux pas, c'est ça? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne me permettrai pas... Mais tu le penses au fond de toi. Très bien. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que je me trompe quand j'ai l'impression que tu n'es plus sûre de vouloir un enfant et que tu as été soulagée d'apprendre qu'on ne pouvait pas adopter cette petite fille. Shavasana. La posture du cadavre. C'est la posture de yoga la plus difficile à maîtriser. Mais c'est également la posture parfaite. Le corps est dans une immobilité totale. L'esprit est libéré. Autour de vous, c'est le chaos. Le monde s'agite. Mais vous, vous restez immobile. Acceptez ce que vous êtes. Il ne s'agit pas d'être parfait, simplement d'être présent. De tout votre être. Deux cours dans la journée. C'était compliqué aujourd'hui. Je suis désolé. Restez immobile et respirez. Quand vous le souhaiterez, vous reviendrez en position assise. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. Namasté. Namasté. Venir ici, ça m'a trop ouvert les chakras. Mon niveau de stress, c'était du genre l'Everest. Et grâce à ces cours, maintenant c'est le cas d'eux. Et toi, Justine, qu'est-ce qui t'amène au dojo ? Je viens à peine de commencer le yoga, donc je... Justine ? Je crois que c'est un peu tôt. Oh, oui. On était en train de discuter. Navré, mais là, je vais devoir fermer la salle. Vous auriez une minute, j'avais juste une ou deux questions à vous poser. Bien sûr, avec plaisir. Je vais me rentrer. Affaire à suivre. Ok. À bientôt, dojo. Écoutez, si vous devez fermer maintenant, on peut très bien en parler la prochaine fois, il n'y a aucun souci. Laissez-moi vous donner un conseil. Méfiez-vous. De qui ? De lui ? Certains hommes perçoivent la fragilité des femmes. J'ai l'air d'être une personne fragile. C'est une force, pas une faiblesse. Mais certains peuvent en profiter. Vous vouliez me parler de l'accompagnement personnel ? Oui, j'ai encore rien dit, comment vous avez deviné ? Je l'espérais, je crois. Je voudrais juste que vous m'expliquiez en quoi ça consiste. Je sens un grand potentiel en vous. On peut travailler ici après les cours ou chez vous si ça pose pas de problème. Chez moi ?
C'est ce qu'il y a de mieux pour les élèves qui veulent parfaire leurs connaissances pour être ensuite en mesure de donner des cours. Donner des cours de yoga ? C'était pas le but de votre démarche ? Non, qu'est-ce qui vous fait croire que je serais une bonne prof de yoga ? Ça ? Ce que vous dégagez, la fragilité dont je vous parlais. C'est un vrai don. Quand on vous voit spontanément, on se sent proche de vous. Et tout de suite, on est attiré. Je l'ai senti à la seconde où vous êtes entré ici. Les gens avec vous vont pouvoir devenir ce qu'ils ont toujours voulu être. Si bien sûr vous y êtes prête. Je veux bien faire un essai. Est-ce que vous pourriez vous inscrire à une ou deux dates dans mon agenda partagé ? C'est votre mari, je suppose ? Oui, ce sont les horaires de travail de Tom. C'est bien d'avoir un mari travailleur. Oui, c'est sûr. C'est un bosseur acharné. Du coup, c'est commode d'avoir le même agenda. 4 ou 5 fois par semaine ? Oui, Dominique se dit que je pourrais faire une bonne prof. Ah, tu vas donner des cours de yoga ? J'en sais rien. En tout cas, je trouve ça très enrichissant et ça pourrait être une source de revenus supplémentaires. Je me disais que durant les périodes scolaires, je pourrais donner des cours le week-end et pendant l'été, faire ça à plein temps. Tu veux être prof de yoga à plein temps ? Pourquoi pas, si ça me permet de ramener un peu plus d'argent, tu n'auras pas à travailler autant. Tu crois que je peux pas m'en sortir ? Non, je sais que tu peux t'en sortir, j'ai juste envie de te voir plus souvent. Tu penses que suivre une formation intensive 5 fois par semaine va nous aider à nous voir plus souvent ? Il faut que je le fasse, Tom. J'en ai besoin. Quand on aura notre bébé, ce jour viendra. Ce sera pas facile tous les jours. Et le yoga me donne confiance en moi. Ça me donne de la force. Je suis une pousse. T'es une quoi ? C'est une image qu'on utilise au yoga. Si tu penses que t'as besoin de le faire, alors moi, ça me va. Est-ce que tu vas... Tu viens dormir avec moi ce soir? J'aimerais pouvoir te rejoindre, mais j'ai un briefing à préparer. J'en ai pour un bon moment. Ok. Bonne nuit. Dors bien. C'est mieux. Il n'est pas interdit de sourire.
première séance de formation à domicile. Bonjour, entre, je t'en prie. Voilà mon royaume. Tu as une maison magnifique. Merci. Tu veux boire quelque chose, un smoothie, un verre d'eau? Ça va, je te remercie. Oh, ça c'est le bureau de Tom. Il travaille pour un cabinet d'avocats quand il ramène du boulot. C'est ici qu'il se réfugie. Ça arrive souvent? Oh, de temps en temps. Mensonge. Ah, c'est toxique les mensonges. Non, c'est pas... Attends, pas c'est pas une critique, ok? Avant, je mentais sans arrêt, mais moi, si je suis là, c'est pour travailler sur ton bien-être, ton épanouissement. Et pour y arriver, il faut d'abord évacuer ce qui est toxique. D'accord? D'accord. Super bureau, en fait. Oui, il est C'est bien. Magnifique. Merci. Oh, mon Dieu. Oh, c'est toi, là? Oui. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons, tous les deux. On n'a même pas 20 ans là-dessus. Vous avez encore la vie devant vous? Mm-hmm. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Ça te dit de faire la séance dehors, hein? Oui. Tu devrais mettre un truc plus léger, tu seras mieux. Il fait chaud aujourd'hui. Oh, bonne idée. Plus haut. Voilà. Rapproche un peu tes genoux. Et tiens la position. Parfait. Résiste à ma pression. Expire en poussant vers moi. Super. Encore. C'est très bien. Encore 10 secondes. Tu es invincible. 5. 4. 3. 2. Parfait. Bravo! Tu vas bientôt pouvoir prendre ma place, petite pousse. C'est évident. Je suis rentré plus tôt. Qu'on puisse déjeuner ensemble. Oh, je te présente mon prof. Hey! Vous devez être Tom. Enchanté. Enchanté. Et Justine est extrêmement douée comme élève, c'est vrai. Oui, oui, elle peut exceller dans à peu près n'importe quoi, du moment qu'elle y met tout son cœur. Et qu'elle y met tout son corps. Bon, eh bien, je vous laisse continuer ce que vous étiez en train de... ce que vous étiez en train de faire. Merci. On inspire. Ouvre la poitrine. Jambe droite en arrière, on verrouille. On est bien dans le sol. Ça va? Ça va. Le muscle tonique, vers le haut, tu vois? Mais sans contracter. C'est très bien. Le dos va s'incliner et tu vas lever la jambe droite tout doucement. Tu m'en demandes beaucoup là. Tu vas y arriver. Qu'est-ce que je disais? Tiens bon. J'ai réussi. Stabilise bien. Et on relâche. Alors, t'es une tueuse. Bravo! Super. On inspire. On expire. On se met dans la posture de la chaise. Les paumes de main bien écartées contre la poitrine. Les épaules plus en arrière. Voilà. On rentre le coccyx. Pourquoi tu es venu à mon cours? Ginny n'arrêtait pas de me parler de toi. Mais pourquoi maintenant?
J'avais du temps. Ne me mens pas. C'est toxique. On essaie d'adopter un enfant. C'est une période difficile. Maintenant, on tend les bras, bien parallèles, un peu plus haut. On respire. Tu feras une super maman. Je le sais. Je suis sûr que Tom le sait, lui aussi. On doit rester comme ça. Imagine que tu tiens un poids entre les mains. Et même s'il est très lourd, tu le tiens en l'air fermement. Tu t'ancres dans le sol, en pliant les genoux. Inspire. C'est bien. Expire. Merci de m'avoir ramené. Tom ? Non. Où t'étais passé ? J'étais à une régate au sud de l'Italie. Où j'étais au bar en train de jouer au billard. En fait, c'est la deuxième réponse. Faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Ok. Maintenant ? Oui. Ah, ok. Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, devine. Et puis tu cherches quoi, là? Laisse tomber, c'est pas grave. Franchement, t'aurais pu être plus sympa avec Dominique aujourd'hui. Ah, parce que c'est moi qui suis en tort? Oh, donc c'est moi le problème ici, tout est ma faute. C'est pas moi qui ai disparu toute la soirée comme un ado en fugue. Alors là, j'aimerais bien voir un ado jouer au billard comme j'ai joué. Arrête, je veux qu'on ait une conversation sérieuse. Mais je suis très sérieux. Tout d'un coup, tu te mets à passer ta semaine avec un prof de yoga, parce que maintenant, le yoga, c'est ton grand truc. Et aujourd'hui, je rentre, il est là, dans le jardin, et toi, t'es habillée comme une cougar en manque. Ça va pas bien. Et c'est moi qui me comporte comme un ado. Très bien. Ce que moi, je ressens, c'est que tu devrais... Ce que moi, je ressens oh. Évite ce genre de phrase de psy bidon avec moi, merci. On est allé voir un psychothérapeute ensemble, justement pour mieux communiquer. Je sais, c'était génial. Une vraie réussite, c'est de l'argent bien dépensé. J'ai pas envie de me disputer avec toi. J'ai pas envie non plus. Je voudrais qu'on arrive à trouver un équilibre et qu'on parvienne à s'épanouir l'un comme l'autre dans un environnement sain. On en a besoin. Notre enfant va en avoir besoin lui aussi. Tom ! J'ai raté l'appel. On peut se rappeler, j'ai une surprise, déjeuner ou dîner. Tom, j'ai attendu au café aussi longtemps que possible, mais je pouvais pas rester. En tout cas, je crois pas que ce soit une bonne idée de continuer comme ça dans le dos de Justine. Je suis dispo demain, toute la journée.
suis venue dès que j'ai eu ton message. Lorsque tes amis souffrent, il est primordial de leur faire voir de belles choses. Je suis désolée, ma chérie. Et tu sais ce qu'il y a de plus ironique? C'est qu'hier soir, il m'a fait comprendre que s'il avait passé une bonne partie de la soirée à boire, c'est parce qu'il était jaloux. De Dominique, franchement, ça n'a pas de sens. Bien sûr que si, ça a du sens. Mais comment il peut me reprocher de le tromper alors qu'il a une maîtresse? Tout ce qu'il a en tête, c'est que lui, il se sent trahi. Ça doit tellement le travailler que ça prend le dessus sur tout le reste. Il est parti aux aurores, je dormais encore. Il n'a rien dit, il n'a pas cherché à se faire pardonner ou ne serait-ce qu'à en discuter. Il se sent humilié, c'est ce que font les hommes quand c'est comme ça, ils se replient sur eux-mêmes. J'ai rien vu venir. J'ai même pas remarqué. Quoi? Le moment où ma vie a commencé à s'effondrer. Tu vas vite reprendre le dessus. Tu as cette force en toi. Tu traverses juste une période difficile, ce qui fait que tu vois tout en noir pour l'instant. Mais les séances de yoga, ça va te donner les outils pour relever haut la main les défis que tu es en train d'affronter. Ouais. Fais-toi confiance. Mes ongles. Merci. Et là, on tient trois respirations. Deux. Un. Une de plus. Et on relâche. Redresse-toi. Shavasana. Est-ce que tout va bien? Ça va. Mensonge. En fait, ça ne va pas bien. Il n'est pas heureux avec moi. C'est de pire en pire chaque jour et je sais pas comment ça va finir. Peu m'importe ce qu'il ressent ou ce qui vous arrive. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est pour ça qu'on est là. Pour travailler sur toi. Pour te rendre plus forte, physiquement et spirituellement. Mais il s'agit de mon couple, le problème nous concerne, Tom et moi. Non, Justine, il s'agit de toi et de personne d'autre. Il s'agit de ton bien-être et il faut que tu arrives à t'aimer toi-même, avant tout, pour pouvoir aimer les autres. Tom n'est qu'un élément de ta vie, il n'est pas... la solution à tout. Tu veux savoir quelle est la solution? Oui. Travailler à ton bien-être. Avec moi. J'ai l'impression de m'acharner à réparer quelque chose qui ne marche plus depuis plusieurs années. C'est pas grave, on a tous un passé. Tant que ça ne pèse pas sur le présent, on peut avancer vers n'importe quel avenir. Je me sens tellement mal et tellement seule. Non, 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 je suis là pour toi. Tu n'es pas seule. Détends-toi. Ne contracte pas les épaules. Décrispe la mâchoire. Relâche les muscles du visage. Inspire. Expire. Parfait, et on recommence. Qu'est-ce qui pèse sur ton présent? Son travail. Les nuits qu'il passe dans son bureau. Notre mariage et notre envie de fonder une famille, c'est devenu secondaire. C'est donc du passé. Toi, tu es dans le présent. Concentre-toi sur le présent. Allez, viens, ça va aller. Ça va aller. Je suis vraiment désolé. Il vaut mieux que j'y aille.
Tout ce que je veux, c'est que ça t'empêche pas de continuer. Tu as un potentiel exceptionnel. Dominique. J'ai menti. Quoi? Je m'en veux pas de t'avoir embrassé. Je sais pas quoi dire. Tu as juste à me demander de rester. Je vais avoir besoin de temps. J'aimerais t'offrir quelque chose. C'est une géode d'améthyste. C'est une pierre qui a des vertus pour l'équilibre, le bien-être et la protection. La protection? Oui, pour te protéger de ce qui est toxique dans ta vie. Ben quoi? Ça peut pas faire de mal de se sentir protégé? Oh, merci, mais c'est trop, c'est très gentil, mais non, je peux pas... Elle est déjà à toi. Prends-la. Merci beaucoup. C'est qui, S? S? Dans ton portable, Tom, qui est S? Attends, t'as fouillé dans mon portable? Je vois, j'ai l'impression que Mère Nature veut nous faire savoir qu'elle adore à peu près autant que vous mes cours du samedi soir. Grandissez-vous, ne lâchez rien, vous pouvez le faire. Ouvrez bien le sternum. Tenez la posture. Tenez bon, magnifique. On se dresse vers le ciel, on ne s'impose aucune contrainte, on ne se juge pas. On inspire, on expire, les mains en prière. Superbe. Écoutez votre corps. Écoutez-le vraiment. C'est important d'entendre ce qu'il vous dit. L'esprit a tendance à altérer les messages envoyés par le corps. Il les parasite. Il les brouille avec des souvenirs. Des pensées superflues. Elijah! Je reviens pas que t'aies fouillé dans mon portable. Et moi, j'attends toujours que tu répondes à ma question. Je vois pas pourquoi je devrais. Après 16 ans de vie commune, je crois que je suis en droit d'attendre de ma femme qu'elle me fasse confiance. J'ai entendu sa voix et son message, Tom. Alors je sais très bien que c'est pas une de tes collègues. Ah, j'ai compris de quoi il s'agit.
Eh ben, vas-y, dis. C'est ton prof de yoga. Peut-être que tu me trompes avec lui, ou bien peut-être que... J'en sais rien, moi, que tu meurs d'envie de le faire, mais ça veut pas dire que moi, je te trompe. N'essaie pas de rejeter la faute sur moi. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Très bien. Trouve la réponse par toi-même. Tiens. Il est minuit, elle décrochera pas son portable. Elle a un répondeur. Téléphone. Pardon, mais nous sommes en plein cours, là. Ne joue pas à ça avec moi. Je ne comprends pas de quoi vous... Oh, oh, on se calme. Je ne sais pas qui est ce Elijah dont vous parlez. Non, tu ne peux pas me faire ça, Elijah. Je sais que c'est toi. Alors dis-le, avoue-le, avoue que c'est toi. Oh, on se calme. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Tu m'as dit que t'avais besoin de moi. Que tu pouvais pas vivre sans moi. J'ai tout plaqué, j'ai abandonné mon mari pour toi. Mais... mes enfants! C'est comme ça! C'est comme ça que tu prends ton pied! Tu séduis des femmes mariées, et puis tu les manipules et tu les pousses à tout quitter pour tes beaux yeux! Ça m'a pris 2 ans pour retrouver ta trace! Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, madame. Mon nom, c'est Dominique. Un nom bidon comme Elijah! Ou comme Jay quand tu étais à San Francisco, ou Terence quand tu as passé les 2 mois d'été à Portland. Ouais, je comprends rien. Ouais, en menant l'enquête, j'ai découvert plein de trucs. Sébastien, Nikos. J'ai dépensé tout ce qui me restait pour te retrouver. Mais j'avais rien à perdre. T'avais déjà détruit tout ce qui comptait pour moi. Je veux bien croire que vous ayez de gros problèmes, madame. Mais je ne suis pas celui que vous cherchez. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Sinon, je vais devoir appeler la police. Il n'est pas celui que vous croyez. Foutez le camp. Foutez-moi le camp! J'ai manœuvré comme il fallait, comme tu disais. J'ai fait appel à une nouvelle agence. Et peut-être que Madame Sullivan nous a trouvé un bébé. J'ai cru au pire alors que tu cherchais un bébé. Pourquoi tu me l'as caché? Parce que j'avais l'impression que j'étais en train de te perdre. Et tant que je n'étais pas sûr, je ne voulais pas te donner de faux espoirs. J'aurais pu t'aider à faire ces démarches. J'essaie de faire de mon mieux. Crois-moi. Jeff, je sais qu'il est tard, ou tôt le matin si tu veux, c'est pas... J'ai besoin d'un service. Je t'ai pas laissé la maison de vacances, donc tu me dois bien ça. Tu vois toujours ton pote qui bosse dans la police? Super, écoute, tu vas lui transmettre un nom pour moi et voir s'il peut faire des recherches. Sébastien Nikos, qui se ferait également appeler Dominique Ramiro. Merci. Thank you.
tellement mieux quand t'es ici. Mais je suis quasiment tout le temps à la maison. Non, je veux dire... ici. Je crois que je vais prendre une petite semaine de congé dès mon retour. Ça nous fera du bien de nous retrouver tous les deux. Tu pars? Ça serait peut-être bien qu'on regarde dans l'agenda partagé ce que fait l'autre. Par exemple, là, tu saurais que je vais à Dallas. J'ai une conférence sur les litiges aujourd'hui. T'es vraiment obligé d'y aller. Je sais que tu détestes quand je te demande ça, c'est juste que... je voulais avoir un peu de temps pour te parler d'une chose. Mais j'ai pas le choix. Mais après Dallas, je bougerai plus d'ici, je te le promets. D'accord. De quoi tu voulais me parler? Rien de grave. Ça attendra ton retour. J'arrête les antidépresseurs. Quoi? Faut que j'arrive à m'en passer. Je veux plus en prendre. C'est courageux. Je me doute que tu avais vu que j'en prenais. Je veux juste... je veux que tu saches que c'est terminé. Je me dis que... si je veux être prête pour l'arrivée du bébé, je devrais... mettre en pause ma formation de yoga. T'as plus envie de devenir prof? Je... peut-être plus tard, on verra. Mais... pour l'instant, la seule chose que je veux, c'est toi. Et un bébé à aimer. C'est ce qu'on a toujours voulu. C'est vrai, oui. J'ai annulé ma séance de yoga d'aujourd'hui. On repart à zéro. On repart à zéro. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Tom! Dominique. On a une séance à 10h. Elle m'a dit qu'elle avait annulé. C'est vrai? J'ai pas reçu de message pourtant. Je vois que vous partez. Oui, pour un voyage d'affaires. Vous les enchaînez? Oui. J'ai deux genres d'élèves au yoga. Les élèves qui viennent me voir pour se libérer de leur travail, et les élèves qui viennent pour se libérer de ceux qui vivent uniquement pour leur travail. C'est génial. Bon, eh ben, j'ai un avion à prendre, donc... elle vous contactera. Et vous, dans tout ça? Oui, ben quoi, moi? Justine m'a dit que vous bossiez sans arrêt, et que vous partiez très souvent. Elle vous a dit ça? Oui, elle me parle de tout ce qui est toxique dans sa vie. Physiquement et moralement, vous devez être exténué par toute cette charge de travail? Je me sens en pleine forme. Vraiment? Si je vous le dis. Vous devriez faire un cours avec moi. Non. Mais si? Certainement pas. Pourquoi pas? Non, c'est non. Votre femme a l'air satisfaite de mes services. Elle vous contactera. Ok. Dites-lui que j'attends son appel. Au revoir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu es là. Je suis tellement content de te voir, si tu savais. Il y a une espèce de folle qui a débarqué ici hier soir. Quoi? Ouais, elle déraillait complètement. Elle me prenait pour quelqu'un d'autre. Un homme qui lui avait brisé le cœur. Elle faisait pitié. Mais maintenant que tu es là, je peux oublier tout ça. Attends. Dominique, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça a été une belle expérience. C'est vrai, c'était génial. Et toi et moi, si on s'était croisés dans une autre vie. Mais j'ai annulé la session d'aujourd'hui parce que je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter. Le yoga et le reste, c'est terminé. Terminé? Oui, j'ai besoin de me consacrer vraiment à ma famille. Tom et moi, on a... Ne parle pas du passé. Ce n'est pas le passé, Tom et mon mari. Où il était quand on était dans ton jardin? Et quand tu étais dans mes bras, il n'était déjà plus qu'un souvenir. Ok. J'ai dérapé à ce moment-là. Et c'est ma faute, et je m'en veux d'avoir... Non, ne dis pas ça, c'est pas ta faute. C'est sa faute à lui. C'est à cause de lui. Si tu as eu besoin de suivre mes cours. Cet homme t'a fait vivre un enfer. S'il t'aimait vraiment, il t'aurait pas délaissé de cette manière. S'il t'aimait vraiment, il prendrait soin de toi. C'est ce qu'il fait. Quand on aime, on est là pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il ne se sente jamais seul. Pour qu'il se sente protégé. Tu n'es pas en droit de le juger. Je suis parfaitement en droit de le juger. Il est toxique, tu le sais. Moi, je t'aime. Ne dis pas ça. Pourquoi? C'est vrai. Et si tu t'écoutes, si tu es attentive à ce que te dit ton cœur, tu te rendras compte que tu m'aimes aussi. Dominique. Je sais que ça fait peur, je le sais. Mais une jeune pousse laisserait-elle la peur régir sa vie? Écoute-moi bien. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Je te connais à peine. Et toi, tu crois m'aimer. C'est terminé. Tu as décidé de me briser le cœur. Tu veux vraiment me faire souffrir à ce point-là? Et moi, je te fais peur, Justine. Je sais pas ce qui m'a pris, désolé. Je me suis laissé dominer par des pensées toxiques. Prends ton temps pour réfléchir, ok? Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Prends ton temps pour réfléchir. Son vrai nom est Sébastien Nikos. C'est sa première femme, Paula. Il a pris 3 ans de prison pour ça. Oh mon Dieu. La pauvre. Depuis, il change régulièrement de ville en prenant un faux nom à chaque fois. Il séduit des femmes, toujours mariées. Il les manipule, obtient d'elles ce qu'il veut, puis ensuite il se volatilise. Et rien ne semble l'arrêter. Tu peux me dire ce que c'est? La dernière à avoir croisé son chemin il y a un peu plus d'un an. Elle s'est pendue. Mais, d'après ce que dit son mari, elle avait une peur panique du vide. Je vois pas comment une femme qui a le vertige peut grimper là-haut pour se pendre.
crois que... La police pense que c'est lui. Mais ils n'ont jamais trouvé de quoi le prouver. Et selon toi, il s'en prend à ses femmes par vengeance parce qu'elles l'ont fait souffrir? J'en ai aucune idée. Et j'ai absolument pas envie de me poser plus de questions sur une histoire aussi glauque. Je vais faire un signalement à la police. Tu vas m'accompagner. Je l'ai embrassé. Justine. C'était un moment d'égarement, ça n'a pas été plus loin, mais je... Il n'est pas question que tu restes seule. Je vais faire très attention. Tu vas prendre des affaires, on va aller voir la police, et cette nuit, tu resteras chez moi, ok? Ok. T'es une amie fantastique. Et le mot est faible. Je t'attends dehors. Retardé, c'est-à-dire? J'en sais rien, une heure environ. Une heure environ? Tu dis ça comme si de rien n'était. Tu devrais être foudrage et m'expliquer en long et en large que ces maudites compagnies aériennes ne valent rien. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais vous voulez bien me repasser mon mari. Je l'ai pas volé, celle-là. Ah, je suis tellement de bonne humeur. Je me sens à nouveau proche de toi. Moi aussi, et tu me manques. Tu me manques aussi. Non, je veux dire, j'aimerais vraiment que tu sois là. Je suis pas tranquille quand je suis toute seule à la maison. Pas tranquille? Tout va bien? Oui. C'est idiot, je sais. Je t'appellerai une fois arrivé à Dallas, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Calme-toi, s'il te plaît. Crie pas, s'il te plaît. Crie pas ou je vais être obligé de te tuer. Tu te bouges ou quoi? Jenny... Écoute... Je crois que je préfère dormir ici, en fin de compte. Ce sera juste une nuit dans un autre lit que le tien. Tu t'en remettras vite et tu me remercieras. Non, vraiment, ça ira. On se voit demain, d'accord? T'es sûre? Bon, d'accord. Je t'aime fort. Je t'appelle demain à la première heure. Je suis fier de toi. C'était parfait, t'as parfaitement géré. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux qu'on fasse un marché. Qu'on soit d'accord pour recommencer à zéro. Je suis d'accord. Ne me mens pas, compris? Désolé. Est-ce que tu l'aimes? Tom est mon mari. Ton mari? Ton mari? Un homme qui n'est jamais là pour toi? Un homme qui ne dort pas dans ton lit? Qui t'abandonne pour travailler? Qui préfère dormir sur un canapé plutôt qu'à tes côtés ou dans tes bras? Un homme qui ne veut pas avoir d'enfant avec toi? Ou qui est incapable de te faire un enfant. Tu aimes un homme comme ça? Non. Mmh.
Si tu l'aimes. Encore plus que tu le crois. Ma grand-mère avait le même fauteuil. Pas exactement le même, mais enfin, c'était le même genre, disons. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. J'étais submergé par des pensées toxiques. Mais c'était important qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. J'ai rien fait, je suis pas un monstre, Justine. Je te toucherai certainement pas avant. Avant de savoir une chose. Tu as couché avec lui? Après ce qui s'est passé entre nous? Ça ne te regarde pas. Son corps est impur, pollué! Et maintenant le tien l'est aussi? Comment tu as pu faire ça? Comment t'as pu détruire tout le travail que j'avais fait sur toi? Pourquoi? Va dans la baignoire. T'es complètement dingue. Je suis dingue. Tu veux savoir ce qui est dingue? C'est de te trouver exceptionnel. Alors que tu es le cliché de la femme au foyer, qui vient se réfugier dans mes cours, en pensant qu'elle peut réinventer sa vie. Ça, c'est dingue. J'ai des sentiments pour toi. Des sentiments très forts. Si seulement tu me faisais confiance. Je t'ai fait confiance. Je voulais que tu m'aides à aller mieux. Va dans la baignoire. Dans la baignoire. Va dans la baignoire. Tu n'avais pas besoin de mon aide. En réalité,
Tu voulais accéder à une vie dont tu n'es pas digne. Sans aucun sacrifice. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je te déçois tellement, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Parce que... il faut en finir. Je le sais très bien, et moi non plus, je suis pas idiote. Je suis une pousse. Je suis une pousse. Je suis une pousse. De mal de se sentir protégé. C'est moi! Pourquoi t'es dans cet état? Dis-moi ce qu'il y a. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Merci. Au revoir. Ça va mieux? Tom. Je l'avais embrassé. Une fois, c'est pas allé plus loin. Je l'ai repoussé. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Tout est ma faute. Si tu savais comme je t'aime, pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis tellement heureuse que tu sois là. T'as pas pris ton avion, pourquoi?
parce que j'ai une nouvelle que je voulais partager avec toi. Tom, c'est Stéphanie. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a une petite fille âgée d'une semaine qui, selon nous, correspond parfaitement à votre profil et qui serait très heureuse avec Justine et vous. Appelez-moi pour qu'on organise une rencontre plus vite. Venant ici alors que je marchais dans la rue, j'ai remarqué une jeune pousse qui était parvenue à grandir au milieu du béton. Bien sûr, je ne savais pas si ce serait une fleur plus tard, un arbre ou juste du chien-dent, mais je me suis ému de son obstination. Élèves, aujourd'hui, vous allez faire le premier pas vers vous-même, vers la personne que vous devez être. Commençons.